Non mais c'est pas possible là. Mais bien sûr. J'attire tous les mobs du quartier là. Là ça a été une boucherie là. Oh. Le premier forgelite nous informe que l'une la ferme. Apportez-lui ce qu'il faut. Oh. Dès qu'on quitte la zone, ça revient, ça, c'est chiant. Allons-y, avec mon aide, les illusions ne devraient pas être difficiles à identifier. Bon, et donc lui là tu veux pas le détecter lui, c'est... C'est que ça doit pas être là, mais pourtant c'est bizarre, là il y a quelque chose qui brille. Moi que ce soit la espèce de brindille, là, je sais rien. Bon. Ah bah merci. Il y a un joueur pas loin qui vient de ville, je crois. Peut-être. J'avais un truc par là tout à l'heure, mais non. T'as aucun indice. On va monter, on va voir. Parce que là, on est toujours dans la zone. Parce que si je vais genre par là. Il est où le dozo là? C'est pas vrai, il s'est paumé ce con. Bon allez, j'en ai marre. Je l'ai perdu. Je sais pas où il est passé et ma succube est revenue du coup. Échec encore de la quête. On recommence. Bon, je la ferai peut-être hors caméra hein, et on reprendra la prochaine fois. Mais là, je fais une pause. J'en ai assez. Sur ce, je vous dis à plus tard pour vous. Enfin, à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Permis au désavoué de la capturer. Pas étonnant que je me méfie des Ventir. Nous ferons amende honorable, premier forgelite. J'en fais le serment. Allez, salut.
Bien, nous sommes de retour. Pour moi, le lendemain, du coup. Pour vous, il s'est écoulé une seconde. Ah oui, on avait ça. Qui était bien. Donc, j'ai fait la quête qui était un peu buggée, là, qui était très agaçante. Hop, on enfile ça. J'ai réfléchi, je sais pas si je garderai la capuche, je la trouve trop too much en fait. Avez-vous des idées pour renforcer les centurions? Bon, on a encore des quêtes à faire ici. Bon, j'ai trouvé l'objet idéal pour répondre à vos besoins, une couronne capable de canaliser le pouvoir des moissonneurs. Il ne me manque plus qu'un seul outil pour parachever... mon œuvre, un moule, les objets circulaires sont complexes à mettre en forme. Allez donc fouiller dans mon ancienne réserve. Je parie que vous y trouverez le moule idéal, peut-être dans l'un de mes vieux coffres. Vous finirez bien par dénicher quelque chose. Il nous manque un élément aussi sacré qu'incontournable. Les désavoués ont saccagé le sanctuaire de la première forgelite, ok. Et pris son marteau, mon marteau, éliminé leur commandant et récupéré Phaistos maintenant. D'accord. Récupérer Phaistos, Genèse des Hérons, voilà. Cet outil couronne est pour votre chef. Elle concentre les pouvoirs des médaillons dont vous m'avez tant parlé. Prestige et puissance. Rénatal sera ravi. Faites en sorte que les besoins de notre ami soient satisfaits. Bien. Cet appel. Avec Phaistos, je vais pouvoir créer des centurions capables d'écraser jusqu'à l'archonte. Le quoi qu'il en coûte, on connaît. Hein. Ça m'a l'air d'être ça. Ah bah parfait, dès le premier coup. Et lui, il... Non, c'est l'heure d'aller. Bon, ok. Mon devoir est accompli.
Parlez-moi des merveilles de votre monde. Nettoyez bien derrière. Ah, il y en a encore. La puissance que vous cherchez à canaliser est instable. Seule la forge éternelle est à même d'y remédier. Sans la bénédiction des flammes, il y a fort à parier qu'elle submergera son porteur. Amenez-moi votre ami Ventir. Nous allons avoir besoin de ses pouvoirs pendant que vous vous chargez d'absorber les impuretés. Mikalinos vous remet un conteneur élégant. Utilisez ceci pour récupérer les déchets produits au cours du processus. Bon. Je suis très agité. Il est temps de forger la couronne. J'ai envoyé des gardes aménager un avant-poste à la forge. Vite, nous ne tiendrons pas bien longtemps. Théotard, vous venez aussi. Ah non, ça c'est encore un... Ah, excusez-moi. Ah. Téléphone qui sonne. Alors, Lui, qu'est-ce que je fais? Je vais quoi? Je clique là-dessus? Tout le monde en position. J'ai besoin de votre aide pour réussir. Théotard, canalisez votre magie vers l'enclume. Disciples, bénissez-nous. Encore un peu. Je ne prends que les bonnes questions. J'exige rien de moins que la perfection. La couronne est instable, c'est l'influence persistante de Denatrius qui se manifeste à travers les médaillons. J'ai néanmoins une solution, faisons un galop d'essai. Je viens d'y enchasser l'un des vôtres, admirer sa puissance, concentrée au sein d'une arme destructrice. C'est l'occasion idéale, les désavoués ont achevé la construction des colosses, détruisez-les, faites-leur subir la dévastation qu'ils sèment dans leur sillage. Prudence toutefois, Théotard m'a parlé de la puissance redoutable de cette magie. La couronne est avide et vous, à vous de la contrôler. Essayez la couronne des moissonneurs et terrassez le colosse opérationnel. La couronne concentre la puissance brute des moissonneurs. Maniez-la avec prudence. Profitez du chaos tant que ça dure. Ok, donc je dois tuer les colosses. C'est ça les fameux colosses ou... Non c'est pas... si, c'est ça. Du coup... Thank you.
contre, je peux pas loot. Mon devoir est accompli. Mon devoir est accompli. Le 3, c'est une sorte de charge chelou. Mais mais c'est vrai que c'est radical comme truc, hein. Bon, il est où le dernier colosse? Parce que j'ai eu celui-là là-bas, celui-là là-bas. On a un là-bas, c'est ça? Non, c'est pas là. Mais il est où le dernier? Colosse de l'ouest. L'ouest, c'est par là. Il est en hauteur? Il est peut-être en haut, je l'ai pas vu. Ah ok, je l'avais pas vu. Je n'ai pas de... est en train de consumer son âme. Il faut vite l'évacuer. Salutations sans entrave. C'est Ravendress que je sers. Mon âme vous intéresse. Prouvez-le. Les médaillons, source de la magie canalisée par la couronne, sont encore soumis à l'influence de Denatrius. La forge ne peut rien contre ça, mais la citadelle de la loyauté, si les désavoués s'occupent depuis quelque temps, si nous parvenons à porter la couronne dans le temple, nous briserons les liens de loyauté qui unissent encore le médaillon et leur précédent maître. Rejoignez Mécaninos à la citadelle de la loyauté. Bon. La couronne reste soumise à l'influence de Denatrius. Pour l'en délivrer, il faut l'apporter à la citadelle de la loyauté. Allez-y, nous vous rejoindrons. Ouais. On a un peu de route à faire.
Ah, World of Warcraft et ses ambiances sonores. Ça a toujours été ce que j'ai vraiment kiffé dans ce jeu. Au niveau des musiques d'ambiance, ce jeu est juste ouf. Quelle arme fascinante! Je peux la voir de plus près? Navré pour ce contretemps. Notre nouvel allié refusait obstinément de croire en ma capacité à voler. Je vais bien. On doit accéder au temple pour réparer la couronne. Mais d'abord, il faut désactiver cette barrière. Nous pouvons modifier la couronne afin de purger les médaillons de la corruption de Denatrius. Le problème, c'est que les désavoués ont installé une vaste barrière pour protéger le temple, et ce n'est qu'une fois à l'intérieur que nous pourrons procéder à la purification de la couronne, drainer l'anima des sources d'alimentation de la barrière, et elle se dissipera. Laissez-moi travailler. Il faut arrêter le maître. Les ennemis du bastion sont nombreux en ces lieux. Si nous réduisons leur nombre, cela apaisera les tensions entre nos royaumes. Ne faites pas de quartier. Je vais surveiller le secteur depuis le ciel et je viendrai en renfort à terre si nécessaire. Oh, super! Je vous soutiendrai depuis le ciel. Moi aussi, je peux vous aider. Cette protection améliorera nettement vos chances de survie. Ouais, Vous avez oublié de lever les yeux. C'est vrai que c'est efficace son truc, hein. Regardez votre défaite. Ah oui, d'accord. Ah oui, à ce point-là, quoi. C'est. Ouais, ça déconne zéro, quoi. Du coup, mon objectif.
Ouais, bah allez, hop, on va dire ça comme ça. Gagné. Comme ça, c'est le temps de se recharger pour se faire elle. Ah, la cible est hors de votre champ de vision. Regardez votre défaite. En vrai, je pense qu'on va surtout focus les trois objectifs là, puis on butera les ennemis aux alentours. Ça s'est plutôt bien passé. Pour être franc, je voyais le moment où ça passait pas. Hein. Il est en contrebas. Ok. Bon, maintenant faut remonter. Putain, le temps de réaction, les mecs. Ah, bah c'est bon, ça le fait. Je suis un régisseur très occupé. Nettoyez bien derrière vous. La barrière qui cernait le temple a disparu. Alors il faut y aller.
le temple est le seul moyen d'affranchir la couronne de l'influence de Denatrius. Il faut sauver Revendreth. Le temple est désormais accessible. Nous devons nous y rendre pour aider Mykaninos à purger la couronne de l'influence de Denatrius. Préparez-vous, la magie du maître a toujours été aussi puissante que destructrice. C'est une rude épreuve qui nous attend. Ce n'est pas de grand prix que nous avons besoin, mais d'un objectif clair. Il faut offrir notre voix à ceux qui restent fidèles au maître. Nous faisons ce qui doit être fait. Vers le vide. D'accord, ok. On est les uns sur les épaules de l'autre, quoi. Bon. Pas de temps à perdre. Je vais aller présenter la couronne. Les fidèles de l'Ombre Terre sont ici reconnus entre tous. Bienvenue dans la Résistance. Vous osez défier mon autorité ? Votre insolence n'a pas de limite ! Mortez-en ! Ah, ça, j'étais pas prêt. Denatrius, on vous couvre sans embarras. Reculez. Sa loyauté seule doit être mise à l'épreuve. Oh, ça va, easy. Pas ma loyauté seule, mais je suis démoniste et j'ai jamais été seul. J'ai toujours eu des démons pour me servir. Elles sont bien. Plus 5 d'endurance quand même. Et ça me débloque mon le cinquième ensemble. Du coup, ouais. La couronne est prête à servir un nouveau maître. L'influence de Denatrius a disparu. Merci de nous avoir fait confiance, premier forgelite. Sans votre aide, nous n'aurions jamais réussi. Nous sommes tous concernés. Souvenez-vous-en quand le bastion aura besoin d'aide. À votre service, premier forgelite. Nul besoin d'espoir pour faire son devoir. Ah, délivrance, enfin. C'est pas moi qui ai zoomé, hein, c'est... La caméra est comme ça, je sais pas pourquoi.
Ah, du coup, ça bug. Ah, dommage, le fly va être dégueulasse. Ah non, c'est bon. Ah, d'accord, ok. Alors, c'est cool. Mais t'aurais pu me déposer un fly, quoi. Hein? Pourquoi c'est ici? Ok, je sais pas trop pourquoi. Bon, c'est pas grave. Peut-être y a peut-être un TP là-bas. Ah, mais oui, je suis con, c'est le miroir. C'est là où il y a le miroir, bah oui, qu'on a ouvert tout à l'heure. Ah, hier. Hier pour moi, tout à l'heure pour vous. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, pas de soucis. Ah oui, on va passer par le miroir, on va pas s'embêter, hein. Je suis bête ou quoi? C'est par où? C'est par là. Ok. Faut que je tombe là, c'est ça. Je me souviens plus par où c'est, hein. Ok, c'est bon, c'est parce que je suis passé à côté. Attendez une seconde, mais... C'était pas ici qu'on a passé un rituel de purification, ou je sais plus quoi. Au début de Bastion. Si je vais par là, il y a une salle avec des miroirs, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Enfin, ça ressemble beaucoup.
Non, c'était pas cette salle-là. Mais ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble beaucoup à une autre grotte dans laquelle on était pour faire un rituel de purification où on devait se laver dans un bassin et après se confronter à un miroir et on affrontait un double maléfique de nous. Attendez, du coup, je peux utiliser ce miroir pour le bastion quand je veux? On testera après. Venez donc plus près, cher ami. Bah, j'aurais su, j'aurais pas dépensé mes points d'honneur à m'acheter le stuff JCJ, hein. Bon, on va aller faire un petit tour au niveau des quêtes. Enfin, des commandements, là. La table de commandement. Que j'ai plusieurs missions qui se sont... Voilà, hein. Ah. Là, ça a échoué. Celle-là est toujours en cours. Du coup, on peut repartir. La musique est un peu forte, j'ai l'impression. J'ai envie d'envoyer Théotard pour qu'on le up un petit peu. Quitte même à envoyer deux Gugus là pour. Voilà, et après on envoie. On voit de quoi il est. Mais c'est histoire de les faire pex un petit peu, quoi. Et ça, c'est. Des herbes. Putain, niveau bijoux, par contre, c'est la galère. Bon, enfin bref. J'ai le plus beau choix que vous trouverez, tant que vous ne posez pas trop de. Vas-y, let's go. Évitez de trop attirer l'attention en repartant.
salutations sans entrave. Du coup, là, je dois attendre, à mon avis, un petit délai pour que le... Nous serons ensemble. Pour que la quête apparaisse, peut-être. Ok, d'accord, il n'y a rien. Je vais regarder quand même, est-ce que le miroir est toujours utilisable? Non, on peut pas l'utiliser. On peut pas le réutiliser. Par contre, on n'a pas tous les... On les a pas tous, les pendentifs. On en a que 3, là, sur les... Apparemment, quoi, il doit y en avoir 7, c'est ça? 1... 2, 3... 4... 5... 6... Et 7, ouais, c'est ça. On a que 3 pendentifs sur les 7, là, hein. C'est... Bon, on va regarder un petit peu notre nom. Ouais, toujours 14, enfin toujours 13. Le prochain avec elle, c'est niveau 21. Ici, je peux débloquer un nouveau truc. Vous avez la chance d'obtenir un assortiment d'herbes aromatiques, ok. Chaque événement terminé pendant une réception de la cour de Braise augmente la satisfaction de vos invités. On va prendre ça. C'est stylé quand même. Attendant, mes ventes se passent toujours. C'est vrai que j'ai ces trucs là à ouvrir, je les ouvre jamais. Un vendeur. J'ai quelqu'un qui vend là dans le coin ou pas? Ah oui, j'avais pris des dégâts quand même. Bon.
Ouais, si, j'allais dire, ce passage n'a pas été rentable, mais si, en fait. Parce que ça, je peux le vendre. Ça, je peux le vendre. On va faire un séjour dans l'antre aussi pour les redonner le souvenir au Runum ancien. J'avais oublié de lui donner. Et peut-être que quand je reviendrai, du coup, la...